c'est une réussite. Pour moi, le succès, je dirais que c'est le summum de la carrière du sport automobile. Et je remercie d'ailleurs Monsieur Youssef Alaoui de par la qualité de son encadrement durant tout le séjour et durant le stage de Formule 1. Et ça me permet aussi d'ouvrir la porte à tous les pilotes marocains. Je suis le premier, certes, et j'ai été surpris d'entendre la nouvelle sur place, mais je permettrai certainement à d'autres jeunes Marocains d'y accéder. Un diplôme de Formule 1, c'est un diplôme qui m'a été délivré à la fin du stage de pilotage. Et voilà, j'ai été surpris car j'ai su que j'étais le premier pilote marocain. Et je le dis et je le répète, je suis le premier marocain, certes, mais je ne suis pas le seul. Je vais ouvrir la porte à plusieurs pilotes qui vont pouvoir bénéficier du même stage et pourquoi pas d'une carrière aussi en sport automobile. Mes projets dans le sport automobile, c'est tout d'abord de monter un team marocain avec d'autres pilotes marocains, des ingénieurs, des techniciens marocains qui ont l'expertise dans le domaine et aller de l'avant ensemble. C'est sûr qu'un travail de groupe est meilleur qu'un travail particulier.